Hey Tim, j'espère que t'es en forme pour un cardio box de dingue. Il va te rendre fou, il va te rendre dingue, mais tu vas l'adorer, j'en suis sûr. Prévois un peu de place, pas besoin de matériel, et puis bah, si t'es prêt, c'est parti. Allez go! Hop là! Remember the day. Allez, c'est parti déjà en jinga. Décalé à droite et à gauche. Pose, pose. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On décale ici, en arrière. Juste un petit mouvement. Allez, on s'habitue à ça. On en aura besoin dès le premier mouvement de notre entraînement. Hop. 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 Allez, encore. I'm here for you, you know. On reste au sol, on peut faire l'entraînement entièrement au sol. Aucun problème. Allez encore. On va essayer de pivoter un petit peu. Pour venir sur un kick circulaire. Hop là. On vient sur le côté. On allonge notre jambe. Impulsion. Et je viens tourner mes bras côté opposé à la frappe pour justement accélérer. Hop là. Le mouvement. On pose bien le pied ici, à peu près perpendiculaire, voire un peu plus sur la direction où on va. On y va. Dernière répétition. Et c'est parti pour l'entraînement. Attention, on va chauffer un petit peu les chevilles, les bras. On y va. On y va. Droite, gauche. Droite, gauche, kick, droite, gauche, 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 droite
à gauche. Kick à droite. Kick à gauche. À droite. À gauche. Check. Check. Allez, doucement. À chaque fois, on a un demi-tour. Engagez les bras ici pour pouvoir faire ce demi-tour. Bam. Bam. On vient frapper toujours avec le dessus du pied, de la cheville et du tibia. 1, 2, 3 et 4. On pose, on envoie. Attention, ça va aller beaucoup plus vite dans quelques instants. On pose, on envoie. Deux fois plus vite. 1, 2, 3, 4. Boum. 1, 2, 3, 4. Pose. Boum. Ok, stop. On passe au 7 direct maintenant. 7 à droite, 7 à gauche. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Je viens frapper avec le bras droit. Au même moment, je tape mon pied au sol. Même chose à gauche. 2, 1, change. 7, 6, 5. On va faire ce mouvement. Ce mouvement-là. Une fois vers la droite et une fois vers la gauche. Allez, on termine. 5, 4, 3, 2, stop. Les genoux alternés. Ok, pour augmenter l'intensité, poussez le pied un peu plus en arrière. Accélérez ensuite le genou vers l'avant. Mais au préalable, on aura bien gainé les abdos. Allez, chou, 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 chou. Attrape au-dessus de la tête et ramène rapide le genou en avant. Stop. Kick latéral. Vers l'avant. Kick avant. Vers l'avant. Ok. Pour les kicks latéraux, on peut rester au sol. On peut décoller. Pour les kicks avant, c'est la même chose. On peut rester au sol et on peut décoller. Bah. On retrouve le premier mouvement. Kinga. Ici, ici. En arrière. En arrière. Tournez. Tournez. Allez. En arrière. Un demi-tour complet. Entre eux. Les deux kicks. Yes. Rapide. 1, 2, 3, 4. Boum. 1, 2, 3, 4. Boum. 1, 2, 3, 4. Pose, frappe. Pied orienté vers le bas. Le pied au sol est resté orienté vers l'avant. Boum. Encore. On retient sur l'adversaire qui nous étrangle. On le dégage. On relâche. 7 direct. 6, 5, 4, 3, 2. N'oublie pas la garde avec la main opposée à la frappe. Très bien, on regarde devant, on frappe vers l'avant. Allez, on reste sur le mouvement dynamique. En avant, en avant, en avant. À gauche, ça fait. Tac, 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 tac. Il en restera 7 à gauche. 7 à gauche. 7, 5, 2, 1. Lève et tire ton adversaire vers toi. Présente-lui un beau genou. Boum. Allez, toujours solide sur les abdos. Vers l'avant, vers l'avant. 3, 2, 1. On repart sur les kicks latéraux, donc avec la tranche du pied. Boum, vers l'avant. Vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant. On frappe toujours vers l'avant. Ici, ce qui change sur les kicks avant, c'est que on vient frapper vers une frappe ascendante. Deux frappes en diagonale vers le bas, deux frappes en diagonale vers le haut. Bah. Ok, on finit sur ça. Ouh. À droite.
À gauche. Oh là 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 là. Mais coude, coude. À l'arrière, étranglement. Bah, bah, bah. Et boum. Reste au sol. Reste stable. Ne te laisse pas. Ne laisse pas ton corps s'emporter. Reste ancré sur le sol. 1, 2, 3, 4. Pause. Boum. 1, 2, 3, 4. Vise les côtes et un peu plus bas. Encore. Et pas mal. On relâche. Deux, cinq, trois, deux, un. Ah, le soleil, ça fait plaisir. Deux fois, deux séries. Dernière, 7, 6, 3, 2. Genou, genou. On croise pas les doigts. On a une main au-dessus de l'autre. C'est juste ça. Levez le genou assez haut. Accélérez-le. Sur la fin du mouvement. Il est rapide. Pareil. Pour les mains, rapide. Lève lentement. Accélère. Vers le bas. Rapide. 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 4, 3, 2. Dernier mouvement. Kick latéral. Deux fois, une fois, on fléchit les orteils. Bah, au moment du kick avant, fléchissez les orteils et allongez la cheville. Allez, on y va. Bah, d'un coup, d'un coup, d'un coup. Cha, cha. Dernier. Ok. Wouh. Ok, ok. On va revenir sur le direct, on a l'habitude de ça. On termine en douceur avec des directs. On n'en a pas fait beaucoup, tiens, aujourd'hui. Allongez le bras. Contrôlez l'instant de l'impact en contractant tout le corps. On laisse redescendre le cardio. En douceur. 7, 6, 5, 4, 3, 2. On lève. On pousse sur la gauche. On lève vers le ciel. On pousse sur la droite. Et on va revenir sur les rebonds. On va rester actif jusqu'au bout. Juste les rebonds. 8, 7. Ok, pied droit devant. On étire l'arrière des cuisses. L'autre côté. On attrape le pied droit. On attrape le pied gauche. Hop, hop. On écarte les deux pieds. La jambe gauche. On étire l'intérieur des cuisses des deux côtés. Hop là. On termine avec le fessier. La jambe sur la cuisse. Allez, 15 secondes encore. Pour s'étirer. On relâche les deux jambes. On ouvre les bras. On inspire. On referme les mains. On pousse devant. On lève le bras. Et voilà! Patrick Team Bravo, je suis fier de toi, tu peux être très fier de toi. Ton cœur te remercie, te voilà en pleine santé, mais aussi à libérer de toutes ces choses qui peuvent te peser sur le cœur. Enfin voilà, je suis toujours super heureux de pouvoir partager un moment sportif avec toi. On se dit à très vite pour ton prochain entraînement. D'ici là, bonne récupération. Restons connectés, motivés, toujours prêts à tout donner. Allez, salut!